avons fait un beau voyage. Beau, mes gens rages. Jour à portée de Montélimar. Devinez quoi? Oui, des nougats de Montélimar. Seulement voilà, je les ai posés sur la banquette dans le train. Un importun est venu causer. Il s'est assis et m'a cassé les nougats. Petit dégât, mais ce qui est plus triste, c'est que mon beau-frère, qui est un artiste, les a recollés, puis revendus. Au prix de la colle, on y a perdu. Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou. Ah oui, le merveilleux voyage, mer merveilleux, mais quel dommage. Un arlousson, les aliscans, où sont-ils donc? Toujours pas dans les confiseries. J'en aurais pris quelques kilos et 100 grammes pour ma sœur, mais le confiseur, ce petit saut, m'a envoyé dans un cimetière aboli. C'est du joli, et ce qu'il y a de plus bête, c'est que mon beau-frère qui est un poète a parlé de les mettre en verre. Des alisques en verre, à quoi ça sert? Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou. Comme elle est belle notre France, mais maintenant fini les vacances. Je vais reprendre le collier de ma belle-sœur chez le bijoutier qui l'a rangé. Ma belle-sœur, figurez-vous, s'est fait monter le cou par je ne sais qui. Et alors depuis son collier de perles est trop petit en hauteur. Petit malheur, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que mon beau-frère qui est bien brave lui a fait mettre 5 rangs de plus. C'est égyptien, ça ne se fait plus. Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou. Du papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom, c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa de mon papa s'affolait pour les mollets de la maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lutinait les jolis mollets moulets de la mon Amélie, elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs qu'Amélie voulait lui refuser. Mais le papa du papa de mon papa a dit: je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas une fille tombe dans l'eau propre du ruisseau. Je vais de ce pas demander à son papa la main de la belle Amélie Vite, qui de ce fait va devenir Amélie Dépêche. Et leur...